Bonjour. Bonjour, madame. Mes provisions du jour. Tout de suite. Tiens, monsieur, tout ce sachet. Hé, hey, tais-toi là-bas. Qu'est-ce que toi tu connais? Mais c'est quoi tous ces sachets-là? Mais madame, c'est pour la sécurité. Mets-moi tout cela dans un seul grand sachet. Monsieur, à l'école, on nous a appris que les sachets sont dangereux pour l'environnement. Et cela pendant 400 ans. Tu vois? Tiens. Oui, 400 ans. Les sachets sont l'une des causes majeures de la destruction de notre environnement. Là où s'accumulent des sachets, tout n'est que désolation. Hé, tout ça dans un seul sachet? C'est fini, il n'y a plus rien. Mademoiselle, les sachets plastiques, c'est dangereux pour l'environnement. Adoptons des éco-comportements. Les sachets sont utiles un jour et nuisibles 400 ans. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous économique et financier Ecofinance. 20 ans après la conférence internationale de Rio sur l'environnement et le développement en 1992 et 10 ans après le sommet mondial du développement durable à Johannesburg en 2002, les problèmes liés à l'environnement se posent toujours avec acuité dans le monde et dans nos États. Alors, pour Rio plus 20, trois commandements ou engagements majeurs ont été pris pour ce 21e siècle. 1. Partage des richesses. 2. Protection de l'environnement. Et 3. Désarmement. Tout naturellement, le Burkina s'est résolument engagé au respect strict des deux premiers commandements du fait que l'économie se caractérise notamment par un faible taux de croissance économique, une forte croissance démographique et un potentiel limité en ressources naturelles. D'où l'impérieuse nécessité d'une plus grande et franche collaboration et concertation entre tous les acteurs pour des solutions durables et porteuses de développement. Aujourd'hui, Ecofinance en fait une préoccupation en choisissant de mener la réflexion sur la contribution de l'environnement à la création de richesses et d'emplois au Burkina Faso. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons un panel pluridisciplinaire composé au présidium d'un représentant du gouvernement, celui en charge l'environnement et le développement durable au Burkina Faso. Il s'agit du professeur Jean Koulidjati. Merci, monsieur le ministre, pour l'intérêt que votre ministère accorde à Ecofinance en sollicitant ce numéro spécial. Et surtout, merci à vous d'être personnellement présent à Ecofinance d'aujourd'hui. Sur des domaines d'intérêt majeurs et communs, pas un pas de l'exécutif sans l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Alors, nous avons aussi l'honneur de recevoir pour la première fois dans Ecofinance Madame la directrice pays du PNUD au Burkina Faso, Madame Ingrid Chimana. Merci bien, madame, d'être présente avec nous. Le département en charge la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques du gouvernement en matière d'économie, de finances et de planification stratégique est aussi présent ce soir avec nous. Ce département est représenté par Dr Seglaro Abel Somé. Il est le secrétaire technique national de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCAD. Invité permanent pour cette émission, les organisations de la société civile. Elles sont représentées ce soir par Mme Zainabou Segda. Elle est la PCA de Women Environment Programme Burkina. Elle est aussi membre du conseil d'administration de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Merci d'être là, madame, autant que Dr Abel Somé. Et pour cette thématique qui nous réunit ce soir, un acteur opérationnel de l'environnement de taille, bien connu des Burkinabés et au-delà même de nos frontières, il s'agit de Son Excellence, le Lale Naba Tigré, ministre du Moro Naba, promoteur de Belouette Biocarburant, ambassadeur biodigesteur et ambassadeur IPE Burkina Faso. Merci Nava d'être avec nous ce soir.
pour permettre aux téléspectateurs de s'approprier la thématique qui nous réunit ce soir, je voudrais déjà poser la question à Monsieur le ministre de l'Environnement de nous situer les enjeux qu'il y a aujourd'hui autour de l'environnement dans le monde en général et au Burkina Faso en particulier. Merci Madame. Et je voudrais avant tout propos dire mes remerciements à vous d'abord et à l'ensemble de tous les organisateurs qui nous permettent aujourd'hui de communiquer avec les téléspectateurs à l'occasion de cette semaine d'information et de sensibilisation sur la définition de concepts et l'organisation pour la prise en charge des questions qui concernent l'environnement. En revenant à votre question, je vais dire que la contribution de l'environnement à la création des richesses et des emplois a fait l'objet d'études scientifiques, des études menées par des anciens chercheurs, en particulier ceux de l'Université Ouagadougou. Les résultats de ces études sont consignés dans des documents et ces études ont été menées avec la collaboration de certains partenaires techniques et financiers comme le PNUD et concernent, comme vous l'avez dit en introduction, l'évaluation économique et de l'environnement et des ressources naturelles au Burkina Faso. Des études ont particulièrement été menées sur le coton et aussi sur le secteur minier dont les documents sont ici. Et j'allais dire aussi que malgré tous les efforts de communication, les énormes efforts et les actions, la question de l'environnement vue sous l'angle économique n'est pas encore connue des décideurs. Aujourd'hui au Burkina Faso, rares sont ceux qui voient et qui savent en investissant un franc dans l'environnement combien récupère-t-on. Donc je pense que les enjeux se trouvent à ce niveau-là et il faut absolument que les données que nous avons issues d'études de grand niveau soient connues, que ces données soient vulgarisées et soient maîtrisées pour prendre en compte toutes ces données dans les décisions d'allocation des ressources, tant au niveau national qu'au niveau décentralisé. Telle est, Madame, j'allais dire l'intérêt que revêt, je pense, l'environnement pour nous, et aussi pour pouvoir dire à ceux qui ne le savent pas encore que l'environnement contribue à plus de 6% à la constitution du produit intérieur brut dans notre pays. L'environnement occupe plus de 60 000 acteurs des secteurs de la sylviculture comme de la pêche. Donc c'est un domaine vraiment porteur. Et parlant d'environnement, on ne peut pas ne pas parler d'emplois verts. Les emplois verts, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans les emplois verts, peut-être sans le savoir et qui s'ignorent. Par exemple, tous ceux qui sont dans la gestion, le traitement et la valorisation des déchets. Par exemple, ceux qui sont dans l'assainissement de l'eau. Par exemple, ceux qui sont dans les travaux et dans le cadre des emplois concernant les énergies renouvelables, y compris les pépiniéristes, les plantes ceux qui produisent les plantes d'ornement comme de choses d'ombrage, tous ceux qui sont dans le cadre des produits forestiers ligneux comme non ligneux occupent en réalité des emplois verts. Donc vous comprendrez l'importance de cette thématique pour le gouvernement. Et c'est ce que j'ai suivi en partie, je crois, cette semaine de l'environnement que vous tenez pratiquement depuis le début de cette semaine. Tout à fait. Les enjeux sont multiples et deux enjeux particuliers. C'est d'abord un enjeu politique. Vous savez que l'environnement est un des piliers principaux du développement durable. Et nous sommes au lendemain de Rio plus 20 et c'est tout ça. Le monde en a entendu parler. Puis ensuite, économique et social, comme je le disais tout à l'heure, on peut dire qu'environ 80% de la population de notre pays tire les moyens de subsistance et leurs revenus de l'environnement. Okay. Le PNUD accompagne les États, dont particulièrement le Burkina Faso, sur les questions liées à l'environnement. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, d'autres enjeux liés à l'environnement d'ordre international? Et qu'est-ce qui pourrait justifier cet intérêt que vous accordez au même titre que le gouvernement ou l'exécutif à l'environnement, Madame la directrice pays du PNUD? Au lendemain du sommet de Rio plus 20, effectivement, il y a un constat très fort, que si nous continuons à produire et à consommer de façon non durable, il nous faudra l'équivalent de deux planètes en 2050 et quatre planètes en 2100. Ce n'est pas possible, nous n'avons qu'une seule planète. La réalité, vous avez bien compris, il nous faudra deux planètes. Deux planètes, au rythme de consommation, de production et de consommation actuelle. Nous devrons avoir l'équivalent de deux planètes en 2050 et quatre planètes en 2100. La population. Alors qu'on en manque. Et les ressources sont limitées. D'accord. Et l'utilisation de ces ressources n'est pas durable. D'accord. Je crois qu'à Rio plus 20, ce constat a été fait.
d'autant plus qu'il s'inscrit dans un contexte international. Vous avez un certain nombre de crises qui s'accumulent et qui se conjuguent. Crise économique, crise financière, mais aussi crise alimentaire dans un certain nombre de pays, y compris la région du Sahel. Nous avons également les crises énergétiques. À cela, vous avez une demande sociale qui est de plus en plus exacerbée. Il ne faut pas oublier les effets des changements climatiques, qui compliquent davantage encore la résilience des pays et des ménages et des individus. Alors face à ce constat, le sommet de Rio plus 20 a réitéré la nécessité et l'urgence d'adopter un nouveau modèle de développement durable, c'est-à-dire un modèle qui soit inclusif sur le plan économique, qui permet la participation de tous à ce processus de croissance, qui crée des emplois décents pour les jeunes, pour les femmes, une croissance qui soit aussi équitable sur le plan social, qui permette l'éducation, la santé pour tous, la protection sociale, entre autres mesures. Une croissance qui soit aussi résiliente par rapport à tous ces chocs, ces phénomènes climatiques extrêmes, les sécheresses, les inondations et autres désastres de type climatique. Et enfin, un développement qui soit soucieux d'une gestion durable des ressources de l'environnement, qui permette de réduire véritablement notre empreinte écologique. Donc c'est vraiment un engagement fort qui aujourd'hui demande à être traduit dans les faits travers un certain nombre d'interventions sur le terrain, en collaboration et en partenariat avec les pays, la société civile, le secteur privé, l'ensemble des acteurs, pour des résultats qui peuvent produire des impacts. D'accord. Et donc, c'est ce qui justifie en réalité votre accompagnement des États dans la prise en charge de cette question liée à l'environnement. Tout à fait. Les enjeux sont importants. L'ensemble, je dirais, de la communauté internationale est engagé, en particulier le PNUD. Notre mandat, qui est celui de la du développement humain, bien sûr, s'inscrit dans la plateforme du développement durable. Ce sont exactement les mêmes, je dirais, principes qui guident notre action sur le plan à la fois économique, social et environnemental. L'harmonisation des interventions sur ces trois plateformes sont essentielles pour arriver à véritablement obtenir des résultats de bien-être. Okay. Nouveau modèle de développement, comme vous l'avez dit. Est-ce que, au niveau du Burkina Faso, l'environnement est pris en compte dans l'ensemble de nos référentiels de développement? Docteur Abel Soumé, vous qui êtes le secrétaire technique national du grand référentiel de développement, si je peux l'appeler ainsi, SCAD, est-ce que l'environnement a sa place dans nos stratégies de développement? Merci, madame. Je dirais, je réponds par l'affirmative, bien entendu. Et c'est une place de choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Une première chose, c'est que ce qui a présidé à la révision même du CSLP, les raisons qui avaient expliqué pourquoi le gouvernement a décidé de changer de référentiel de développement, puisque vous savez bien que de 2000 à 2010, c'est le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté qui était le cadre d'orientation du développement. C'est ce qui fédérait toutes les actions en matière de développement. Donc, un des éléments, précisément, dans un document qui était appelé la note conceptuelle, c'était de dire que les questions transversales n'étaient pas suffisamment intégrées. Et parmi ces questions, l'environnement apparaissait en première place. Donc, c'était une des raisons de dire, allons-y avec une nouvelle stratégie et prenons mieux en compte les questions transversales, dont l'environnement. Un deuxième élément, c'est que le bilan d'une décennie de développement qui a été fait à l'époque, puisqu'au moment d'élaborer cette nouvelle stratégie, un diagnostic précis a été fait. Et c'est là que l'état de l'environnement a été évalué de façon précise. Donc nous sommes en 2010. Et puis il est ressorti en ce moment-là les défis très importants à relever dans le domaine de l'environnement et qui étaient liés à la dégradation des terres, des eaux, au système, à l'érosion, aux questions des changements climatiques, etc. Donc le bilan adressait ces questions-là comme des défis à relever pour la nouvelle stratégie. Dans l'élaboration de la SCAD, un principe directeur a été énoncé, c'est le principe du développement durable, très important, qui ressort dans l'objectif général de cette stratégie. Et l'objectif spécifique, le huitième précisément, vise à assurer un environnement durable. Donc tout ça, ce sont des éléments explicites au niveau des orientations.
Vous avez ensuite deux éléments très importants qui sont liés au modèle même de développement, puisqu'on parle de croissance accélérée. Mm-hmm. Donc on sous-entend investissement dans les domaines précis. C'est ça. Donc les variables qui vont entraîner cette croissance, parmi ces variables, on peut ressortir un ensemble d'éléments liés au secteur prioritaire qui a été retenu par le gouvernement sur la période 2011-2015. Et vous allez voir que parmi ces variables, l'environnement apparaît en bonne place. Donc je peux le ressortir. L'environnement pris sous son aspect productif ressort dans l'axe 1. Dans l'axe 1, c'est où il est dit qu'il faut développer les piliers de la croissance accélérée. Des secteurs prioritaires ont été définis, que je cite rapidement. C'est le secteur agricole, avec au sens large, agriculture, élevage, pêche, foresterie. Le secteur minier. Le secteur de l'industrie culturelle, de l'artisanat et l'industrie touristique. Et puis enfin, le secteur de développement des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries de transformation notamment. Donc, quand vous regardez dans cet axe, ce qui a été développé précisément, si vous permettez, je peux le lire. Oui, vous dire que c'est explicitement, explicitement développé dans l'axe 1. C'est ce qui est dit au niveau de la pêche et des produits forestiers. La stratégie vise à cibler particulièrement la valorisation du bois, notamment du bois d'œuvre, des produits forestiers non ligneux, cueillette et chasse, et le tourisme cynégétique, ainsi que le développement des ressources halieutiques et de la filière poisson, qui constituent de grandes potentialités de la majorité des zones susceptibles d'être érigées en pôles de croissance. La priorité sera accordée à la mise en œuvre de la politique nationale d'environnement et de développement durable. Voici pour l'axe 1. Je voulais terminer par une autre raison principale pour laquelle on peut dire que l'environnement a une bonne place dans la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. C'est l'environnement pris sous son axe transversal. On verra ensemble par la suite si ce qui est prévu, j'allais dire théoriquement dans les documents, se traduisent concrètement sur le terrain. On va analyser ça d'ici là. Madame de la société civile, est-ce que vous avez la perception que l'environnement pose problème au niveau du développement du Burkina Faso? Afin qu'on puisse s'attarder là-dessus, qu'on puisse investir dans ce domaine. Alors, déjà, je ne parlerai pas de problème, je vais emboucher la même trompette que le ministre ici quand il décrit comment l'environnement apporte à l'économie. Ça, c'est réel. Et quand on regarde justement le grand nombre de Burkinabés, les populations rurales donc, qui sont impliquées dans l'environnement et qui apportent leur contribution à l'économie, on ne peut que dire que c'est très important et que c'est très lié à l'économie. Maintenant, c'est vraiment, il y a une question d'enjeu. Et c'est la question critique qui est là. C'est justement le problème des changements climatiques qui ont déjà frappé à nos portes depuis un moment. On le vit, il y a d'autres qui sont en train de l'expérimenter, mais pour nous c'est une réalité depuis un bon moment. Et ça amenuise, ça décourage les efforts de développement. C'est ça le gros problème. Parce que quand il y a la dégradation des terres, alors qu'on doit cultiver pour avoir à manger. C'est lié, donc les questions de sécurité alimentaire se présentent. Il y a d'autres phénomènes, donc la santé et tout cela est lié donc à ces problèmes de l'environnement. Il y a un problème réel et ce qui fait que cette grande majorité donc, de population ne fait que donc, regarder le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on est tous, il y a 80% de personnes qui sont dans des difficultés. Donc c'est pourquoi ça se pose comme problème. La population peut se regarder aussi, non? Au lieu de regarder exclusivement le gouvernement. Tout à fait. Mais elle le fait déjà, la population le fait, mais avec très peu de moyens. Et donc c'est pour ça qu'ils appellent, ils en appellent au gouvernant, qui est censé en avoir plus. Et donc, sinon, elle le fait au jour le jour pour survivre. Ça aussi, on donnera la parole au niveau du public pour que certains puissent réagir par rapport à l'accompagnement que le gouvernement ou les populations elles-mêmes doivent apporter à ces questions liées à l'environnement
au Burkina en particulier et dans le monde en général. La Lenava Tigré, est-ce que l'environnement pose un problème afin qu'on puisse investir énormément dans le domaine? Vous qui avez pris l'initiative de créer, par exemple, Bellouette Carburant, parlez-nous un peu de vos projets en lien avec la thématique qui nous lie aujourd'hui. Permettez-moi de remercier le PNUD qui est ici présent pour l'honneur qu'ils m'ont fait, à ma modeste personne du moins, d'être ambassadeur IPE, et alors que j'étais déjà ambassadeur dans les biodigesteurs. Et aussi, permettez-moi de remercier le ministre, parce que bon, c'est un tandem qui a permis certainement cela. En tout cas, je suis reconnaissant pour cette confiance, cet honneur qui m'a été fait tout récemment. Et quant aux questions de l'environnement, je pense que les premières autorités sont conscientes et appuient et modestement, en tout cas je peux le dire, les initiatives privées. Nous ne sommes pas là pour parler de politique, mais permettez-moi de dire encore merci à son Excellence, Monsieur le Président de FASO, qui, dès 2008, quand je me suis lancé dans cette question du Jatropha, dans cette filière, j'ai eu une lettre de félicitations et d'encouragement de la première personnalité du pays et qui m'a permis de continuer. Mais cela, sans manque d'incompréhension, de contradiction, de critiques négatives. Mais aujourd'hui... Un signe d'engagement de la prise en compte de l'environnement par les autorités et dans les stratégies de développement. Exactement. Mm-hmm. Et aujourd'hui, avec l'INERA, nous avons pu faire des analyses du tourteau de Jatropha comme fertilisant biologique qui contribue à restaurer non seulement nos sols, qui contribue à améliorer les rendements agricoles. Mm-hmm. Alors, vous dites de parler du biocarburant. Je peux dire à l'Auguste Assemblée ici que beaucoup de pays, plus de 8 pays, sont venus visiter nos modestes réalisations qui est devenue une référence, en tout cas dans la sous-région. Nous faisons, nous contribuons à l'économie verte, comme a dit M. le ministre, parce qu'à travers le Jatropha, nous produisons du savon, nous produisons de l'huile qui alimente les moulins à grains, les quelques tracteurs. Burkina Manganèse, qui est une société américaine qui consomme notre biodiesel, et aussi âge matériaux. Il y a d'énormes, en tout cas, potentiels dans cette filière. Et nous ne sommes pas seulement dans le Jatropha, nous sommes aussi dans le Balanites Egyptiaca, qui aujourd'hui nous permet de faire de l'huile alimentaire, comme vous savez, qui n'a pas du tout de cholestérol. Et nous faisons de l'aliment pour bétail, en tout cas qui est très puisé par les animaux. Donc comme quoi, en tout cas, l'environnement contribue beaucoup aux revenus des familles, mais les gens méritent davantage la sensibilisation, l'information. Qui dit création de richesses dit en même temps promotion de l'emploi dans le domaine. Exactement. D'accord. Nous avons plus de 65 000 producteurs à travers le pays et qui méritent en tout cas un renforcement des capacités, un soutien, en tout cas à quelques niveaux que ce soit. Et comme vous dites, nous créons de l'emploi, par exemple, sur un périmètre de près de 80 hectares. Nous avons réalisé en 4 mois des activités économiques sur ces lieux et près d'un millier de personnes, dont 600 femmes, 300 jeunes et 100 élèves, ont pu avoir des revenus. Et cela est concret. Et à mi-parcours, nous avons déjà eu plus de 4 tonnes. 4 tonnes représentent 1000 litres. 1000 litres transformés, en tout cas, c'est autour de 650 000 francs. D'accord. Ça, c'est des activités concrètes qui contribuent à la lutte contre la pauvreté. Ok. Monsieur le ministre, la Lenava Tigré vient d'utiliser une expression qui nous amène à aller définir un certain nombre de concepts, certainement qui vont revenir dans cette émission. Et en attendant qu'on puisse lancer
un reportage sur l'initiative IPE. Je voudrais que vous puissiez éclairer la lanterne des téléspectateurs sur la notion d'économie verte. Déjà, l'IPE, c'est quoi? C'est l'initiative pauvreté environnement. Donc, nous vivons actuellement dans cette semaine où justement il a dit que nous l'avons fait en collaboration avec le PNUD et bien sûr d'autres acteurs et ambassadeurs IPE Burkina. Pourquoi ambassadeur IPE Burkina? Parce que tout ça, ça rentre dans une stratégie de communication pour pouvoir justement faire comprendre au peuple et pour permettre à ces ambassadeurs et de contribuer à infléchir ou en tout cas à modifier la donne dans les choix politiques et stratégiques du gouvernement au niveau local comme au niveau national. Et j'allais dire que cette initiative est inédite dans notre pays. Bon, maintenant, quant à l'économie verte, qu'est-ce que c'est? En réalité, l'économie verte, d'après les définitions de la CEDEAO, qui ont été, j'allais dire, revues au niveau du Burkina, ça désigne l'ensemble de toutes les activités qui contribuent à la réduction de la pauvreté, à la création des emplois verts décents, parce que le mot vert et décent, c'est important ici, à la création de richesses et de revenus au profit de la population et qui assure le bien-être global pour toutes les personnes, tout en maintenant l'environnement sain dans le respect des droits humains, dans le respect, dans la contribution et la cohésion sociale. Parce que de toute façon, il ne faut pas que justement les emplois verts, l'économie verte viennent, j'allais dire, désaxer le fonctionnement de la société. Ça doit intervenir et contribuer à la cohésion sociale et se caractérise essentiellement par un faible taux d'émission de carbone. Donc voici globalement les mots-clés qu'on peut mettre dans le concept donc, d'économie verte. Et si on glisse maintenant, madame la directrice pays du PNUD, si on glisse maintenant sur la notion de développement durable en lien avec l'économie verte, ce serait quoi le développement durable? Que pour faire suite à la définition que vient de nous proposer M. le ministre sur l'économie verte, je pense qu'il faut approcher la question de l'économie verte au travers des trois piliers, économique, social et environnemental. D'un point de vue économique, nous savons aujourd'hui, et je pense qu'une intervention qui nous a précédé l'a fait ressortir, une majorité des populations dans les pays en développement, 80% au Burkina, tirent la principale source de leurs moyens d'existence, les ressources de l'environnement. Donc, un des grands piliers de l'économie verte, c'est qu'ils puissent contribuer à la réduction de la pauvreté. Ça passe par une gestion durable des ressources de l'environnement. On peut rentrer dans les considérations de secteur de façon plus spécifique, et je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de le faire. Mais ça doit être certainement un objectif, cette économie verte. Un deuxième objectif serait, bien entendu, comme l'a dit Monsieur le ministre, que l'exploitation de ces ressources naturelles puisse aussi s'inscrire dans une perspective où on n'augmente pas l'empreinte écologique. Et d'une certaine façon, on a envie de dire aujourd'hui, surtout réduire les émissions de carbone. Et ça passe par l'adoption de nouvelles technologies plus propres, plus adaptées, et qui en même temps pourraient apporter davantage d'emplois parce qu'ils sont véritablement porteurs d'innovation. Ils permettent aussi aujourd'hui de créer des emplois dans des secteurs qui existent mais qui n'ont pas exploité leur potentiel environnemental. Donc une économie à faible émission de carbone, c'est un deuxième, je dirais, axe d'une économie verte. Un troisième axe, et ça c'est intéressant, c'est une étude qui a été menée par le PNUE, le programme des Nations Unies sur l'environnement, et qui nous dit que l'économie verte, ça ne veut pas dire que la croissance va décélérer, bien au contraire. Elle va être maintenue au niveau actuel, qui ne sont pas très, très importants dans certains pays de l'OCDE notamment, mais certainement peut même dépasser les niveaux de croissance que nous avons connus de par le passé. Pourquoi? Parce que à travers une économie verte, nous ne subirons plus les effets des changements climatiques. Nous n'aurons plus de déperdition en matière de ressources eau. Nous aurons certainement aussi des efficacités énergétiques que nous pourrons dégager, notamment dans les bâtiments, dans la production générale, si on poursuit cet objectif d'efficacité énergétique. Donc, la croissance
pourraient en bénéficier et donc l'emploi décent et l'objectif social pourrait être également rempli, notamment en matière de réduction de la pauvreté. Un quatrième, et ce sera le dernier que je vais vous proposer, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait véritablement des investissements publics qui soient priorisés en faveur des domaines de l'économie verte. Et je crois ici que dans certains pays, ça veut dire par exemple l'abandon des subsides, parfois qui sont très importants pour les combustibles fossiles, qui correspondent certainement à des montants qui pourraient être réinvestis dans d'autres interventions, que ce soit de recherche, de développement, mais aussi de développement de savoir-faire, qui permettraient de créer d'autres emplois également. Donc voilà, en quelques mots, ce qui correspondrait aux grands axes, aux piliers, j'ai envie de dire, de l'économie verte. À présent, je vous propose de suivre un reportage sur l'initiative Pauvreté-Environnement, et c'est à travers une analyse de Moumini Soubeiga. Le projet Initiative Pauvreté-Environnement, IPE, est un programme mondial lancé conjointement entre le programme des Nations Unies pour le Développement et le programme des Nations Unies pour l'Environnement en 2005 à New York. Le projet a pour objectif de combiner des efforts de ces deux agences onusiennes afin d'assurer une meilleure gouvernance des ressources naturelles pour une croissance pro-pauvreté. Au Burkina Faso, c'est en 2007 que l'initiative Pauvreté-Environnement a été lancée par une phase préparatoire qui a abouti à la formulation du document du projet IPE Burkina. Sa phase 1 a été lancée officiellement en 2010 pour une durée de 2 ans. L'IPE Burkina vise également à assurer l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les processus de planification et de budgétisation au niveau central et décentralisé dans l'optique d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Au niveau local, l'IPE prône la lutte contre la pauvreté à travers la gestion durable de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des populations. Et pour sa phase 2, les responsables du projet comptent passer à la vitesse supérieure pour atteindre les objectifs escomptés. De 2013 à 2017 pour la phase 2, nous allons mener des activités concrètes pour démontrer concrètement les liens entre pauvreté et environnement. En ce sens que l'activité qui sera menée va contribuer à restaurer l'environnement, à lutter contre la pauvreté. L'IPE regroupe 22 pays dans le monde, dont 10 en Afrique. Son budget s'élève à environ 33 millions de dollars US et les principaux bailleurs sont la Commission européenne, l'USAID, les coopérations belges, danoises, suédoises, norvégiennes, irlandaises, espagnoles et anglaises. Votre réaction par rapport à ce reportage avant qu'on aille au niveau du public recueillir les appréciations des uns et des autres sur les liens qu'il y a à établir entre l'environnement et puis la pauvreté? Monsieur le ministre. Justement, le reportage vient nous montrer avec des images concrètes justement ce lien entre environnement et pauvreté. Et puis, Monsieur Wedabo Rasmane en a rajouté, il a bien défini les objectifs. Et puis, certainement, à travers ce reportage, vous voyez quelle est l'ampleur du travail qui reste à faire pour vraiment arriver au développement. Comme Madame la directrice pays le dit, l'économie verte, ce n'est pas pour reculer. C'est pour avancer. C'est l'environnement ça. Doit être compris aujourd'hui comme, j'allais dire, c'est un effet de levier pour pouvoir faire des bons qualitatifs et pour non seulement vivre correctement aujourd'hui, mais permettre aux générations futures, elles aussi, de pouvoir bénéficier des ressources naturelles et de vivre, en tout cas, en harmonie avec la nature. D'accord. Ok, merci, monsieur le ministre. La parole au niveau du public. Pour qui voudrait la prendre pour des compléments d'informations, pourquoi pas des questions au niveau du pour les invités au niveau du présidium. Bon, effectivement, je voudrais apporter donc des compléments d'informations en ce qui concerne le lien entre l'environnement et l'économie. Mm-hmm. Bon, en fait, on peut dire que d'une manière générale, tout ce que nous faisons, tout ce que nous produisons, nos activités quotidiennes, c'est à partir donc de l'environnement. Quelle que soit l'activité que nous menons. Quelle que soit l'activité. S'il n'y a pas d'air, il est évident que nous ne pouvons pas du tout nous épanouir et tout ça. Nous ne pouvons même pas marcher, on ne peut pas respirer, on ne peut pas manger. On n'existera même pas. Pour nous déplacer. Si nous utilisons une voiture, si nous utilisons un avion, au fond, les éléments qui ont servi à la construction, par exemple,
de ces véhicules-là proviennent donc de la nature, de l'environnement. Et il y a donc les différentes ressources minières qui sont utilisées. Ce que nous mangeons tous les jours, que ça soit directement cueilli dans la nature ou que ça soit transformé, en fait, ce sont des produits donc, de la nature. On peut dire que du point de vue de la contribution de l'environnement au produit intérieur brut, on peut dire quand même que c'est à 100%. C'est ça. Alors, je voudrais quand même donc donner quelques éléments. Dans le cas du Burkina Faso, si les études que l'on a pu mener au niveau du CEDRES, on peut relever que un secteur comme la foresterie, donc la contribution est autour, par exemple, donc, de 59 milliards. Donc, on a pris sur la base donc, de 2008. Et, par exemple, l'agriculture, bon, pour faire l'estimation, ce que nous avons essayé donc, de faire, c'est tout simplement de prendre le différentiel de rendement des sols agricoles entre différentes provinces du pays pour calculer donc, la valeur. C'est autour de 72 milliards et demi. Donc, cette valeur donc, sur le produit intérieur, ça représente à peu près 2%. Et ce qui veut dire que, par exemple, au niveau, si on n'entretient pas les sols, ça veut dire qu'à l'avenir, il faudrait, par exemple, au lieu d'un hectare, pour avoir tel rendement, nous devons, par exemple, il nous faut 3,37 hectares pour pouvoir avoir le même rendement. Donc, ce qui veut dire que si nous ne protégeons pas l'environnement, si nous ne faisons pas donc, des activités productives vertes, nous allons accélérer le processus de la dégradation de l'environnement. Je prends le cas, par exemple, de la pêche. Ça fait la contribution, donc là aussi, c'est en termes de différentiel entre les différentes zones, c'est autour de 37 milliards, soit un coefficient de dégradation, par exemple, de 2,75, etc. Toujours bon. En 2008. Voilà, 2008. D'accord. C'est sur cette base-là que les calculs ont été faits. Donc, nous avons relevé, donc pour, rien que pour ces quelques activités-là, autour donc de 239 milliards, donc comme contribution à l'économie nationale. Autre intervention. Je voudrais parler un peu de notre fameuse Brigade verte dont la renommée aujourd'hui a traversé vraiment les frontières du Burkina et même africaines. Et parce que il y a trois principaux objectifs que l'autorité communale visait en mettant en place cette Brigade verte quelques mois après les premières élections municipales qui se sont déroulées en 1995. Le premier objectif, c'était bien sûr l'amélioration de l'environnement urbain de la ville de Ouagadougou. Et deuxièmement, c'était la création d'emplois et de revenus au profit, bien sûr, d'une certaine frange de la population de la ville de Ouagadougou. Et enfin, troisièmement, la protection des couches sociales vulnérables que sont les femmes. Ça veut dire que c'est une initiative qui prend en compte vraiment l'aspect genre. En 1995, la Brigade verte comptait seulement 20 femmes. Et à l'heure où je vous parle, elle a un effectif de 2087 femmes. Donc, l'environnement a créé de l'emploi. Voilà. Dans la commune voilà. De Ouagadougou. Et donc, de 1995 à 2012, à l'heure où je vous parle, c'est environ 5 milliards de francs CFA qui ont été distribués à ces femmes-là sous forme de prise en charge par rapport aux prestations relatives à la propriété de la ville de Ouagadougou qu'elles assurent au profit de notre commune. Okay. Et ça contribuait non seulement comme résultat attendu, bon, la ville de Ouagadougou est classée parmi les villes les plus propres, les capitales les plus propres en Afrique, en témoignent les près de 3 prix internationaux que nous avons remportés depuis 1995 jusqu'en 2012. Et il faut également rappeler
que et les revenus distribués contribuent vraiment à améliorer les conditions le de vie de ces femmes et de leur famille. Voilà, effectivement. Mm-hmm. Et bon, en tout cas, par rapport à ce qu'elles font sur le terrain, ça contribue vraiment à préserver l'environnement. Mm-hmm. Et surtout que l'on sait que vraiment la plupart de ces femmes-là sont issues des milieux défavorisés et qu'avant la mise en place de cette brigade verte, la majorité d'entre elles se rabattaient vraiment sur l'environnement urbain pour avoir leur pitance quotidienne. Et okay. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Il y en a qui ramassaient du gravier. C'est tout ce qui contribue vraiment à dégrader, à éroder l'environnement. Mm-hmm. Il y a d'autres qui se mettaient à couper, par exemple, le bois de la ceinture verte. Donc ça contribue également à dégrader l'environnement et à vraiment augmenter le nombre de, les sécheresses au niveau du Burkina. D'accord. Donc on peut dire que c'est une initiative salutaire. Okay. Si elle n'existait pas vraiment, il fallait la créer, vraiment, mm-hmm. cette brigade verte-là. D'accord. Ok, merci madame. Merci bien. Voilà. Bon, je profite également que vraiment au niveau de l'aide loi, que ce soit le code de l'environnement, le code général des collectivités locales, bon, ces lois-là vraiment transfèrent un certain nombre de compétences aux collectivités locales, mm-hmm. et en l'occurrence, par exemple, des compétences relatives à la gestion des déchets. Donc, c'est ce qui nous permet, nous, au niveau des collectivités locales, de mettre en place ce genre d'initiative. Sans D'accord. oublier, par exemple, les autres groupements associatifs qui collectent les déchets, d'autres qui les transportent et d'autres qui les valorisent. Parce D'accord. que M. le ministre parlait tantôt vraiment de la valorisation des déchets. Et ce que nous faisons au niveau de la commune de Ouagadougou et qui contribue vraiment, un tant soit peu, à réduire la pauvreté au niveau de Ouaga, de façon particulière et de façon générale au niveau du Burkina. D'accord. Je vous remercie. Merci. Une intervention et on va lancer un reportage pour recueillir également des appréciations de certaines populations avant de revenir au Présidium. L'Union Yanta est une organisation qui œuvre pour le bien-être et la sauvegarde de l'environnement. Mm-hmm. Yanta veut dire Nyatara, aller de l'avant. Mm-hmm. Nous sommes des femmes, des femmes rapatriées, des veuves, des abandonnées, des femmes dont le mari est malade ou bien qui ne travaille pas. Mm-hmm. Donc nous sommes rassemblés en 32 associations, 904 femmes. Et notre objectif principal est la lutte contre la pauvreté par l'amélioration des conditions des membres dans le respect et la protection de l'environnement. Mm-hmm. Nos activités, nous transformons le manioc, le soumbala, le beurre de karité, nous ramassons les noix de cajou chaque année dans la forêt. Nous commercialisons la chenille, nous faisons le théâtre, la couture, la coiffure. Concernant le théâtre forum, nous luttons contre les sachets plastiques, la coupe abusive du bois et tant d'autres thèmes pour lutter contre la désertification. Concernant pour la protection, nous reboisons chaque année. Nous entretenons les plants, nous faisons l'agroforesterie et puis nous faisons l'exploitation contrôlée. Ça veut dire maintenant, nous ne coupons plus le bois au hasard. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Ok. Nous vendons toujours le bois, mais c'est contrôlé maintenant. Mm. Ensuite, ok, donc... Mmh, concernant les ressources naturelles, je peux dire que ça nous aide beaucoup pour les produits forestiers non lignés, mmh. comme les noix de cajou, le néré, le karité, le miel, etc. Nous pouvons dire que vos activités créent de l'emploi chez vous. Voilà. Et ça procure des revenus. Voilà. À l'ensemble des membres. Ah. Merci pour les témoignages. En tout cas, déjà, merci beaucoup merci de vous être déplacé de Bobo Dioulasso à Ouaga pour cette émission. Merci beaucoup. Merci bien. Et merci au PNUR pour son accompagnement. Voilà, pour la mobilisation de cette dame remerciements de Yanta. À IPE.
Pour l'instant, je vous propose un grand reportage pour recueillir des témoignages des populations de Ouaga, Koudougou, Komsilga et de Touéga. Pour recueillir l'adhésion de leurs clients potentiels, les industriels n'hésitent pas à dégainer l'argument nature. À vue de diriger les consommateurs vers leurs rayons, l'argument bio attire en début de la valse des étiquettes. Au Burkina Faso, il est quasiment rare de parcourir un marché, un supermarché ou de visiter le contenu des assiettes en famille sans y trouver des produits extraits de la nature. Des fruits, des produits faits à base de fruits, du bois ou encore des feuilles, ce sont autant de potentialités qui sont exploitées à des fins diverses. Et vous avez dans notre vitrine des produits forestiers non liés, bruts et transformés, ici des acteurs. Et vous avez ici des amandes de qualité. Et ça, c'est les noix. Ça, c'est des produits bruts. Ça, c'est du deutérium microcarbone. Ça, c'est du zizufis mauritiana. Et des graines de néré. Vous avez l'huile de Nîmes, extrait des amandes. L'huile de Carapa procera. L'huile de Balanites egyptiaca. L'huile de baobab, Adansonia digitata. À 80%, ce que vous voyez dans les petits marchés sont constitués de produits forestiers ligneux ou non ligneux. Et nous pensons que cela véritablement contribue à générer de la richesse. Cela contribue également à beaucoup lutter contre la pauvreté. D'autres produits de la forêt comme le jatropha ou le balamites font désormais l'objet d'exploitation à grande échelle pour la fabrication du biocarburant et du savon. À partir du tourteau du jatropha, c'est-à-dire la biomasse du jatropha, une fois qu'on presse 4 kg pour enlever le litre d'huile de jatropha, les 70% c'est de la fumure organique. Et cette fumure organique est donc produite localement au Burkina Faso par les Burkinabés. Donc il y aura progressivement une facture d'importation d'engrais qui va baisser. C'est une préservation de nos devises qui ne vont plus sortir pour les pays étrangers. À cela s'ajoutent les retombées de la faune, du tourisme, des ressources minières, solaires et celles issues de la transformation des déchets. Nous avons formé plus de 600 personnes aux différents corps de métier que j'appellerai les corps de métier de l'environnement, les métiers verts. Donc c'est une fierté pour nous que notre savoir-faire aujourd'hui, à partir des déchets recyclés, crée l'emploi, aide les gens à se s'auto-employer et à subvenir à leurs besoins. L'association, les bénéfices sont partagés entre les membres. Parce que chacun gagne par la spécificité de laquelle elle s'est spécialisée dans le domaine du lavage, de la collecte, le tri, le crochetage, la fabrication des corps, des meubles. Les jeunes gens qui ont la main, on les a appris comment travailler le plastique comme le bois pour fabriquer des objets utilitaires. La production d'énergie solaire est un système rentable, surtout pour des pays comme nous, qui avons le soleil presque tous les jours, et parce que la source d'approvisionnement est gratuite, le soleil. Donc contrairement à l'énergie thermique où il faut entretenir les groupes électrogènes, les faire fonctionner avec du gasoil, qui est de l'énergie fossile, qui est d'abord coûteux pour l'extraction et pour tout. Des industriels, des groupements, des associations et des particuliers exploitent ou œuvrent dans la transformation et la commercialisation de ces produits issus de la nature. Les produits forestiers non ligneux à eux seuls constituent la troisième source de revenus pour les ménages en milieu rural à hauteur de 23% dans l'économie nationale. Ils viennent après l'agriculture et les produits d'élevage. Quand j'avais commencé le beurre, là, les femmes marchaient à pied, venir à Koudougou. Actuellement, beaucoup sont... Non, il y a même plus de femmes qui marchent à pied. Ils viennent à vélo et d'autres à mobilette. Ces produits-là génèrent des devises pour le pays de l'ordre de plus de 20 milliards donc de francs CFA par an.
Pour l'année 2011, par exemple, on se retrouverait autour donc de 30 milliards de devises. Si on prend le cas de Carité, sa contribution à l'économie nationale pour 2008 était de 15 milliards de francs CFA. À ce moment que nous avons les fruits que nous mangeons, nous avons le beurre de Carité qui est utilisé pour la cuisson des repas et aussi dans le cosmétique et de plus en plus maintenant dans le chocolat. Quand on prend la faune, ceci rapporte à tous les opérateurs de la filière environ 3 milliards de francs CFA 2008. Quant au bois et au charbon de bois, en tout cas, ça fait vivre beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes et sa contribution en 2008 était d'environ de 5 milliards de francs CFA. Et quand on prend l'environnement, l'assainissement, communément appelé les femmes de la mairie de Ouara qui balaient les rues, on a 2800 femmes qui balaient les rues. Quand on voit, et non seulement elles assainissent le milieu, elles ont un revenu, ça leur permet de lutter contre la pauvreté. Ce sont donc autant de potentialités qui demeurent encore peu exploitées. Selon les spécialistes, on peut encore mieux faire. Des domaines vierges existent toujours et attendent d'être exploités. Pour les produits dont l'exploitation est encore artisanale, il faut revoir le mode d'exploitation pour mieux les rentabiliser. J'ai foi et je suis convaincu que l'environnement peut procurer de la richesse aux citoyens burkinabés. Pour peu véritablement qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement seraient premièrement la sensibilisation, l'information, l'éducation du citoyen. Dans une région, si les gens viennent exploiter les ressources naturelles et ramènent dans la capitale, les pauvres vont continuer à être pauvres. Et ce qui crée souvent des sentiments de frustration, c'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'ils ne profitent pas de leurs ressources naturelles. Et ça crée souvent des révoltes. Vous voyez, par exemple, dans le cas du Nigeria pour le pétrole. Et qu'est-ce qui s'est passé? On prend le pétrole et finalement, les zones où qui produisent ce pétrole-là, les gens sont plus pauvres que les zones où justement il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de réinvestissement. Donc pour toute ressource naturelle, dans une région, nécessairement, il faut un réinvestissement. Bon, il y a des concessions de chasse dans un certain nombre de régions de Burkina et tout. Mais il faut que justement ces concessions-là, ils puissent y réinvestir. Il faut que l'État oblige les gens à réinvestir pour contribuer à la réduction, par exemple, de la pauvreté. Le potentiel disponible est important. À titre d'exemple, pour ce qui concerne donc les amandes de qualité, nous exploitons pour le moment, donc selon les statistiques, le tiers du potentiel disponible, pour environ près de 760 000 tonnes comme un potentiel disponible. Et l'exploitation annuelle tourne autour de 230 000-250 000 tonnes. Donc vous voyez que nous n'avons pas encore atteint même la moitié. Alors, et tout ça, c'est le plus souvent, c'est une exploitation artisanale pour la transformation. Et une bonne partie, surtout, est exportée comme étant donc des produits du cru vers l'extérieur. Alors, si on parvenait donc à transformer donc tous ces biens ici, je crois qu'on pourrait atteindre donc vraiment des objectifs de développement. Conscient que l'environnement joue un rôle fondamental dans l'amélioration des conditions de vie des populations, le gouvernement burkinabé, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, accorde du crédit à la préservation de cette nature. Plusieurs politiques et programmes ont été adoptés et des campagnes de reboisement sont initiées chaque année. Cette année, l'opération 1000 plans par ministère et par institution, initiée par le président du FASO, a permis de mettre en terre des milliers de plants, dont des arbres fruitiers. La nature nous a tout donné, à nous de savoir nous en servir donc. Et voici le reportage que vous a proposé l'équipe d'Ecofinance, conduite par Moumouni Soubega. Quelles sont vos impressions après l'ensemble de ces témoignages, monsieur le ministre? Et d'abord, la première impression, c'est de nous conforter dans l'idée qu'il y a une corrélation forte entre emploi vert et augmentation des revenus des populations. C'est ça. Entre emploi vert et amélioration des conditions de vie des ménages. Et parlant de l'huile de Balanites, parlant de Jatropha, parlant de piles photovoltaïques,
ça nous réconforte parce que nous avons un plan décennal pour la promotion des modes de consommation durable et de la production et des modes de production durable. Mmh. Et ça me conforte aussi à l'idée qu'on fait des économies au niveau de l'exportation de nos devises. C'est ça. Et ceci dit, en ce qui concerne les concessions de chasse, et je voudrais dire que nous avons mis en place depuis plusieurs années une gestion durable et rationnelle de l'exploitation faunique dans notre pays. Notre pays compte, je pense, 14 concessions de chasse qui sont pour l'essentiel mises aux mains des privés. Mmh. Et chaque année, le directeur, sous l'autorité du directeur de la faune et des chasses, on fixe des quotas. On n'abat pas comme on veut. Et chaque concessionnaire de chasse a un quota de 1 à 2 lions, par exemple, dans l'année. Mm-hmm. Pas plus de 10 à 15 buffles dans l'année, même s'il en regorge. Mm-hmm. Et l'année passée, il y a un concessionnaire qui nous a amené chez lui. Nous avons vu plus d'un millier de copes de buffons, mais il n'avait pas le droit d'abattre plus de 17. Alors, ces concessionnaires sont, pendant la période creuse, font toutes les cérémonies en Europe relatives à la chasse et ils recrutent des clients en fonction du nombre d'animaux qu'on leur donne. Mm-hmm. Comment faisons-nous pour vérifier? Tout simplement parce qu'au niveau de chaque concession de chasse, nous avons des forestiers qui veillent. Mm-hmm. Un chasseur, même venant dans une concession privée, ne rentre chasser que sous la supervision des forestiers. Okay. C'est vrai qu'il nous manque beaucoup de personnel, mais ce personnel est là. Et j'avoue qu'aujourd'hui, plusieurs pays d'Afrique viennent prendre notre modèle mm-hmm. pour pouvoir aller faire la gestion rationnelle donc, de leur concession de chasse. Donc okay. c'est pour dire que de ce côté, nous avons une politique relativement correcte et pour obtenir une concession de chasse, on est obligé de répondre à un dossier d'avis d'appel d'offres. Et la concurrence souvent est rude et mm-hmm. j'en sais quelque chose. D'accord. On va glisser dans l'organisation même au niveau du Burkina Faso pour prendre en compte les questions environnementales. Tout à fait. Je vous remercie. Je pense que le reportage est très parlant et met en exergue un certain nombre de secteurs qui ont fait leurs preuves. Elles n'ont même plus à démontrer. C'est qu'il y a un potentiel énorme de réduction de la pauvreté, donc d'accélération pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, mm-hmm. par le seul fait d'une approche de gestion plus durable des ressources naturelles. C'est ça. Et je prendrai un exemple qui me frappe beaucoup, c'est celui des produits forestiers ligneux et non ligneux. Oui. Et je crois que le potentiel d'abord des produits forestiers non ligneux ont certainement aujourd'hui a été établi ici au Burkina Faso. Non seulement au niveau des revenus des ménages, les emplois qu'ils génèrent, mm-hmm. Mais également au niveau national, les recettes fiscales, les recettes en devises qui permettent de rembourser la dette extérieure. Enfin, tout un cycle vertueux qui bénéficie aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Mais je vois aussi par ailleurs que il y a une déforestation qui est en cours. D'après les chiffres que j'ai et qui sont partagés, c'est 110 000 hectares par an qui disparaissent. Ça veut dire autant d'opportunités au Burkina, de revenus. Au Burkina, 110 000 hectares par an de forêt détruite. Ok. Donc ça veut dire autant d'opportunités de perdues pour permettre aux populations, aux femmes notamment, mm-hmm. de pouvoir perdurer dans ces activités génératrices de revenus. C'est ça. Avec tous les impacts que ça aura sur l'ensemble du ménage. C'est ça. Et donc, je crois qu'ici, il y a véritablement il y a un travail qui est fait, bien sûr, dans le sens de l'encadrement de la gestion de ce patrimoine qu'est la forêt. Mm-hmm. Et notamment, je crois qu'il y a un accent particulier, il est proposé aussi dans votre reportage, qui est de regarder comment réduire la part de l'énergie ligneuse dans le mix énergétique au Burkina Faso. Il est très important. Je vais sortir le chiffre que j'ai trouvé, 75%, ça me paraît énorme, d'énergie générée au départ des produits forestiers ligneux. Mm-hmm. Alors, bien sûr, cette énergie ligneuse, non seulement a un impact négatif sur la santé des populations, du fait de la pollution à l'intérieur
des maisons. Mais je pense aussi que de ce point de vue-là, il y a d'autres potentiels. On l'a vu, les énergies renouvelables ouvrent tout un nouveau champ de possibles au Burkina, d'innovation, notamment je pense à l'énergie solaire qui a été également repris dans le reportage. Donc il faudrait vraiment pouvoir avancer. Et ici je voudrais revenir à une initiative du secrétaire général des Nations Unies qui a été du reste présentée au sommet de Rio plus 20, l'énergie pour tous, et qui a trois objectifs au niveau international, qui est d'abord assurer l'énergie pour tous. Deuxièmement, augmenter l'efficacité énergétique. Et troisièmement, obtenir d'ici 2030, parce que c'est la date butoir, une proportion d'énergie renouvelable qui soit plus importante, ou en tout cas d'augmenter la proportion de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique des pays. D'accord. Alors 50 pays ont souscrit à cette initiative et se sont engagés à le mettre en œuvre, y compris le Burkina Faso. D'accord. Aujourd'hui, nous espérons que ce travail pourra se traduire dans un plan d'action national qui permettra d'avancer sur ces trois objectifs. Et ça aura un impact, bien sûr, sur les ressources forestières. Ce plan existe déjà au Burkina. Oui. C'est de ça, monsieur le ministre, parlait tantôt, n'est-ce pas ça? Je ne parlais pas tout à fait de cela. Bon, je dois dire, ce n'est pas pour éviter de répondre à la question. Les questions énergétiques, comme les questions d'énergie renouvelable, sont du ressort de mon collègue du ministère des Mines, des Carrières et de l'Énergie. Et je voudrais dire qu'effectivement, le plan existe. D'accord. Et dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour l'émergence et le développement durable, il est prévu que d'ici 2015, l'ensemble de toutes les communes rurales puissent bénéficier de l'électricité. Et bien entendu, entre deux communes rurales, lorsqu'il y a des villages, on mettra un effort pour pouvoir électrifier ces villages. D'accord. Et je voudrais ajouter aussi qu'il y a une promotion de l'énergie solaire. Comme vous avez vu, il y a une banque privée de la place, que je ne vais pas citer, qui est alimentée à 100% de l'énergie solaire. Mmh. Mais pour nous citer, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable a son toit qui est couvert de 500 mètres carrés de piles photovoltaïques qui donne à notre ministère plus de 80% de ses besoins en électricité. Il y a sémaphore. Reste à étendre ça à tous les ministères. Reste à étendre ça parce que comme l'exemple vient d'en haut. C'est ça. Et j'allais dire aussi, il y a sémaphore qui a en construction actuellement une centrale de 20 MW. Mm-hmm. Et c'est énorme, c'est plus que la centrale hydroélectrique de Kompienga, c'est plus que la centrale de Bagré. Mm-hmm. Et la présidente du FASO est actuellement en train d'installer une centrale photovoltaïque pour alimenter l'ensemble de toute la présidence. Et Ouaga 2000 va bénéficier aussi d'une centrale de 3 MW. Donc je voudrais dire aussi que Sa Majesté, disons Son Excellence, est là. Et grâce à lui aussi, on est dans le cadre du biodiesel. Et il le sait, nous travaillons aussi en tant maintenant que universitaire avec deux IE, où nous avons formé avec eux des docteurs dans le domaine de l'utilisation. Donc des huiles végétales pour faire fonctionner les moteurs diesel. D'accord. Et je pense que le gouvernement, avec l'université de Ouaga, l'université 2IE et toutes les institutions, nous allons organiser une grande semaine justement et consacrée aux énergies renouvelables très bientôt au Burkina et à Ouagadougou. D'accord. La prise en compte de l'environnement dans nos stratégies de développement, concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui est fait, docteur? D'abord, est-ce que l'environnement bénéficie des ressources suffisantes pour la mise en œuvre des activités? Là, l'environnement réagira. Oui. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain? Vous avez bien dit que c'est prévu dans la SCAD. Oui. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est pris en compte? Bon, c'est simple. Au niveau du ministère de l'Économie, nous avons des outils, nous avons un dispositif pour suivre la mise en œuvre de la stratégie. Et dans ce cadre, on a un lien fort avec le sectoriel et qui nous permet de vérifier annuellement est-ce que ce qui est prévu est effectivement exécuté. Bon, donc je peux citer les mesures clés qui ont été retenues dans l'outil principal que nous appelons la matrice de performance de la SCAD. Il y a deux mesures clés qui ont été retenues. Donc on a fait un bilan en 2011 et donc on vérifie qu'effectivement les résultats sont palpables, sont concrets. C'est lesquelles par exemple? Alors, ces deux mesures-là? Ces deux mesures concernent l'une le guide d'élaboration, guide d'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles, environnement, pauvreté, environnement dans les politiques sectorielles. Ça c'est un élément. L'autre élément, ça concerne les schémas directeurs d'aménagement
SDAGE, comme on les appelle, les stages, de gestion de l'eau. D'accord. Donc, il y avait des agents qui devaient être mis en place dans les différentes régions. Donc, on a fait un point. Et puis, il y a aussi cette mesure-là qui concerne les... Bon, c'est plus des indicateurs. Permet de suivre le bois produit dans les forêts aménagées et le nombre de superficies de forêts aménagées. Voilà. Donc, quand vous reprenez les différents rapports que nous faisons, donc, il y a un résultat satisfaisant au niveau du suivi de ces mesures. D'accord. Voilà. Merci bien. Je crois que là-bas, il y aura... Allez-y, donc, monsieur le ministre. Pour compléter, justement, pour améliorer justement ses performances, le ministère de l'Environnement a procédé récemment à une relecture du Code de l'Environnement. Okay. Et cette relecture nous a permis d'introduire 27 nouveautés, et partant depuis la prise en compte de la notion de développement durable, le principe de précaution, le principe du pollueur-payeur, le principe du pollueur-récupérateur, etc. Et bientôt, nous allons soumettre à l'attention du gouvernement une politique nationale de développement durable assortie d'une loi. Donc à partir de ce moment, nous allons avoir une loi cadre qui va nous permettre donc de travailler. Et justement, dans le cadre de ce cadre-là, nous avons finalisé et on fera adopter bientôt, j'espère, en Conseil des ministres, un document portant critères et indicateurs du développement durable. Parce que pour pouvoir évaluer, pour pouvoir juger, il faut savoir quels sont les critères. Et donc ce travail est terminé et bientôt, cet outil d'évaluation sera mis à la disposition donc, de ceux qui font les évaluations pour nous permettre d'avancer. Et bien entendu, en ce qui concerne les produits forestiers non ligneux dont Madame la directrice a parlé, et il a été adopté récemment une stratégie nationale de promotion et de valorisation des produits forestiers non ligneux et surtout son plan d'action et un plan d'action qui nous coûtera la bagatelle de 16,5 milliards sur les 5 prochaines années. D'accord. Donc pour dire que l'environnement c'est véritablement un domaine non seulement qui contribue obligatoirement à la réduction de la pauvreté et à la lutte contre l'insécurité alimentaire, mais aussi c'est un domaine transversal et ce qui a permis à la plupart des ministères et bientôt l'ensemble des ministères de mettre au sein de leur cabinet des cellules environnementales. D'accord. Donc c'est ce complément que je voulais donner suite à l'intervention du monsieur Sommet. Fait concret, est-ce que le ministère de l'Environnement bénéficie de toute l'attention dans les allocations de ressources? On peut se dire que la volonté, elle est là. Les engagements nationaux, 8000 villages, 8000 forêts, une école, un bosquet, tout cela est financé. Mais quelle est la part réelle de, ou quel est le volume de crédits alloués, par exemple, au ministère en charge de l'Environnement? Ces quelques dernières années, pour ne pas dire en 2012, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? L'environnement et puis les acteurs. À qui vous posez la question? À qui voudrait la prendre? Mais suivez mon regard un peu, vous saurez à qui. Premièrement, je vous dirais que en tout cas, dans cette salle, celui à qui son salaire suffit, qui lève la main, et je crois que personne ne lèvera la main. C'est exactement pour le gouvernement. Quand le gouvernement établit un budget qu'il s'efforce d'équilibrer en recettes et en dépenses, c'est la croix et la bannière, c'est la quadrature du cercle. Donc, en descendant aux différents départements ministériels, c'est exactement la même chose. Il y a des besoins, il y a des ambitions, et il y a ce qui est concret et qui est là. Et quelle est la capacité pour l'État de satisfaire aux besoins de chacun des ministères? Nous avons déjà eu à dire que les besoins du ministère de l'Environnement dépassent largement l'ensemble du budget de notre État. Du pays même. Donc, je touche du bois. Nous sommes passés devant la commission des finances et du budget en début de semaine. Ils nous ont compris, on s'est compris. Et j'attends, bien entendu, la fin, j'allais dire, de la session budgétaire pour savoir si véritablement on s'est compris. Mais nous avons le sentiment qu'on s'est compris et que nous allons avoir certainement beaucoup plus de ressources que l'an passé et les années passées parce que, comme M. Sommet l'a dit, la variable environnement influence aujourd'hui les différentes politiques et stratégies de notre pays. Nous ne pouvons pas avancer, il n'y aura pas de croissance accélérée si on ne tient pas compte des ressources naturelles et de la manière dont on les consomme et dont on les gère. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Je crois que le budget est là,
répondez à la préoccupation de Mme Segda, qui disait qu'ils ne sont pas suffisamment accompagnés, pour ne pas dire est-ce que l'environnement est suffisamment accompagné. Pour elle, non. Une idée de budget alloué à l'environnement en 2012-11, et peut-être la part dans le volume total du budget de l'État, si on peut en avoir. Bon, effectivement, nous avons les statistiques concernant le budget de l'environnement. Pour 2012, le budget de l'environnement est établi à 9 387 255 306. Pour 2011, la dotation est de 7 796 363 097. Oui. Mais il faut dire que sur la moyenne environ depuis 2007 à 2012, nous sommes à une moyenne d'environ 8 milliards par an en termes de dotation. Alors, le poids du budget de l'environnement sur le budget total est sensiblement de 1%. Sensiblement 1%. Donc, moyenne 1%. Sur la alloué. Période, sur la période 2007-2012. D'accord. Il faut aussi peut-être ajouter que l'environnement, à son tour, génère des recettes dans le budget de l'État. Ces recettes sont surtout celles relatives aux redevances, taxes, amendes de forêt. Les prévisions sont pour la période 2007-2012 d'une moyenne d'environ de 1,5 milliard. Et le taux de recouvrement se situe en tout cas régulièrement à 60%. Donc environ 1 milliard par an. Il n'y a que aussi le ministère de l'Environnement en tout cas génère des recettes pour le budget de l'État. Donc voici un peu de façon globale l'ensemble des statistiques qu'on pourrait déjà donner. En moyenne, 8 milliards par an à l'environnement, soit une part relative de 1% du budget tout à fait. De l'État, avec des recettes de services mobilisées au niveau du ministère d'environ 1,5 milliard par an. Les prévisions s'établissent à environ 1 milliard, c'est les prévisions. Le recouvrement, c'est pour les trois dernières années. C'est 1 milliard. D'accord. Voilà, par an. Ok. Madame Segda, vous voyez que quand même, c'est pas petit. 8 milliards en moyenne par an. Je crois que Dr Sommé voulait intervenir. Est-ce que c'est intrinsèquement les 8 milliards? J'imagine que dans les autres ministères, il y a des activités liées à l'environnement qui reçoivent des allocations. Allez-y, docteur. Cette idée, effectivement, que je voulais émettre, c'est que de façon générale, au niveau des statistiques, pour bien cerner tout l'effort qui est fait au niveau financier pour soutenir les activités de l'environnement ou bien pour valoriser toutes les activités, il y a certainement beaucoup de choses à faire. C'est ça. Parce que les chiffres qu'il a donnés concernent les allocations gérées, j'allais dire directement par le ministère. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le volume d'activité lié à l'environnement qui remonte à cela. C'est cette idée que je voulais juste émettre. Puisque Monsieur le ministre disait que c'était un domaine assez transversal. Ok. Madame Segda, réagissez. Oui. Alors, je voudrais surtout parler maintenant d'avenir, surtout quand on parle d'économie verte. Est-ce que le ministre peut nous rassurer, puisqu'on est en transition vers cette économie verte, parce qu'il y a aussi les conditions favorables pour ça, et c'est lié justement à des questions budgétaires, parce que cette économie verte, justement, demande beaucoup d'investissements, bien sûr qu'on réclamait déjà, mais qui normalement devraient venir conforter en tout cas cette économie verte-là. C'est les investissements vraiment dans les secteurs clés de l'écologie, comme l'agriculture, il y a l'eau. Il y a vraiment ces secteurs-là qui sont demandeurs de gros investissements. Est-ce que vous pensez être prêt? Est-ce que l'économie verte pourrait se faire dans ces bonnes conditions? Parce que je sais que dans le célèbre rapport du PNUD, il est à peu près dit qu'il faudrait à peu près des investissements d'à peu près 2% du PIB et mondial, donc par extrapolation, on pourrait dire à peu près ceci par pays. Donc, est-ce que vous pensez être prêt pour cela?
d'accord. Monsieur le ministre, allez-y. Je pense que vous avez délégué vos pouvoirs. Non, non, non. À Madame Segda. Donc, je voudrais dire que c'est la tendance. Mm-hmm. Parce que ce que le gouvernement fait aujourd'hui, et en particulier ce que le ministère de l'Environnement et du Développement fait, du développement durable fait, c'est mm-hmm. mettre d'abord en place des cadres de concertation. C'est ça. Parce que quand on ne discute pas ensemble, on ne peut pas prendre en compte l'ensemble de tous les besoins. Deuxièmement, interne. Oui, voilà, justement, mm-hmm. il faut s'organiser. Mm-hmm. Quand je dis cadre de concertation, ce n'est pas seulement l'organisation interne, non. mais c'est l'organisation qui va régir les relations entre le ministère de l'Environnement et l'ensemble de toutes les associations, les ONG, les acteurs. Les PTF. Justement, avec les PTF, nous avons justement un cadre et on se réunit tous les 6 mois. Mm-hmm. Et notre dernière réunion était prévue pour le 5. Nous n'avons pas pu la tenir pour des problème indépendant de notre volonté. Mmh. Donc à partir de ce moment, les cadres existent, nous essayons de faire fonctionner. Mmh. À partir de ces cadres, il faut quand même être rationnel. Il faut des plans d'action. Mmh. Prévoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, demain et après-demain. Qu'est-ce qu'on fait en matière d'investissement, comme elle dit, mais aussi qu'est-ce qu'on fait en matière d'augmentation des capacités. Est-ce qu'il faut investir, j'allais dire avoir des éléphants blancs et on n'a aucune capacité pour pouvoir suivre et faire évoluer les choses. Ce qui mm-hmm. est sûr, 2%, nous sommes aujourd'hui à 1%, mais comme le docteur Sommet l'a dit, ça aussi c'est au niveau des financements publics. C'est ça. Les partenaires techniques et financiers, le chef de file c'est le PNUD qui est là pour pouvoir nous accompagner. Je vous ai annoncé par exemple tout à l'heure au niveau du plan de promotion des produits forestiers non lignés de plus de 16,5 milliards. Mm-hmm. C'est totalement des contributions des partenaires techniques et financiers. Okay. Donc vous voyez déjà, ça ouais. vaut pratiquement le double de la contribution de l'État. C'est vrai que c'est 16,5 milliards sur 5 ans. Mm-hmm. Mais si vous prenez l'ensemble de tous les autres projets et programmes que nous développons, je pense que nous avons plus de 19 projets et programmes mm-hmm. dans notre ministère qui fonctionnent sur la base d'un minimum de 1 milliard de francs par projet et programme. Donc mm-hmm. c'est pour dire que c'est vrai que c'est la part contributive de l'État, elle mm-hmm. doit s'améliorer. Et on doit faire des recrutements, nous en avons besoin, mais aussi les partenaires techniques et financiers qui sont là, qui nous aident, mais aussi parce qu'il faut savoir que l'environnement n'est pas local. Oui. N'est pas local. Ce qui se passait, par exemple, à Tchernobyl a concerné l'ensemble de toute l'Europe de l'Ouest. Oui. Donc, tout ce qui s'est passé au Japon a concerné l'essentiel des pays les plus lointains. Donc, c'est pour dire que c'est aussi un devoir pour les partenaires techniques et financiers mmh. de nous accompagner pour que le monde puisse vivre en paix. Lorsqu'on a un voisin dont la case brûle, qu'est-ce qu'on récolte? On récolte le feu. Donc, à partir de ce moment, il est important qu'on puisse communiquer d'un point de vue général pour mmh. pouvoir faire marcher. Donc, je rassure Mme Segda que même cette année, nous avons, dans le cadre de l'élaboration du budget de notre ministère, prévu une part pour pouvoir appuyer tous les partenaires qui nous accompagnent pour la réalisation de nos objectifs. Et l'Assemblée nationale ne refusera pas puisque nous sommes déjà passés devant la commission. Ça veut dire qu'il y aura une part qui sera allouée au projet genre Bellouette biocarburant? Je dis à tous nos collaborateurs, donc, en fonction de l'ambition de chacun des collaborateurs, si Bellouette vient avec un budget réaliste, mm-hmm. avec des ambitions qui sont à notre portée, c'est clair que nous l'accompagnons et nous l'avons accompagné. Il vous dira que nous avons fait le déplacement sur son site et que nous avons fait des visites mm-hmm. et que le gouvernement aussi est venu, le premier ministre en tête, pour justement fêter, l'ouverture de son unité, mais pour fêter l'anniversaire de son unité, ce qui a montré l'appui et le soutien que le gouvernement entend donner mm-hmm. aux uns aux autres. Mais comme on dit toujours, c'est toujours en fonction des moyens dont on dispose. On ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Mm-hmm. Et c'est pour cela qu'il est bon de communiquer, pour que chacun sache. Aujourd'hui, on a dit 1% du budget national. Chacun sait que s'il vient nous demander beaucoup, on dira, on vous donnera aussi 1% du budget du ministère. Et donc, ce n'est pas ridicule, c'est une contribution, puisque, comme vous savez, l'environnement, c'est transversal. Donc, il y a aussi d'autres ministères en charge, par exemple, l'énergie, les mines et les carrières, par exemple, l'agriculture, même, j'allais dire, le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, à travers l'INERA, qui a un gros volet environnement. Donc, je pense qu'il y a l'ensemble de tous ces partenaires-là qui peuvent contribuer, et pas seulement le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Le ministre, bon, je suis là au titre de Bellouette, mais je suis aussi de la Commission des Finances.
Je crois savoir que le ministère des Finances a décidé que désormais, il n'y aura plus, en tout cas, de gel budgétaire, il n'y aura plus de difficultés. Tout ce qui est prévu, en tout cas, doit pouvoir être obtenu dans le cadre du budget à venir. Donc, si le ministère a prévu soutenir ses partenaires, en tout cas privés, tels que les associations et groupements qui sont sur le terrain, il n'y a pas de raison qu'ils n'en bénéficient pas, en tout cas, de quelques sous de l'État. Mais ce n'est pas toujours évident, parce que bon, je crois savoir que l'État, en tout cas pour le moment, n'a pas, en dehors effectivement des visites qui, en tout cas, nous encouragent. Et vraiment, il n'y a pas de sous qu'on a reçus. Alors que là, on a besoin de moyens. Il faut des moyens financiers. Des moyens financiers. Oui. On a dépassé l'étape vraiment des encouragements, mais on a besoin d'un peu plus, en tout cas, de moyens financiers mettre et puis d'engagement public plus fort. Parce que vous savez, tous les Burkinabés sont comme des Saint Thomas. Il faut que tous voient, il faut que le responsable politique dise haut et fort que certaines filières comme le Jatropha, comme le Balanistès, comme le Moringa sont en tout cas des activités de lutte contre la pauvreté. Là, les gens vont y aller, mais bon, tel que c'est fait, je vous assure que c'est pas encore demain. La veille. Il faut encore plus. Ouais. En tout cas, sinon, on est vraiment bien content et des encouragements. Hein, ça, il faut le dire. On en a besoin aussi parce que l'homme est corps et esprit. Et on a besoin de ça. Et comme disent les commerçants, c'est bien, mais c'est pas encore arrivé. Oui, on va arriver à des propositions concrètes dans la deuxième partie de l'émission. Je suis Dr Belém Amounata. C'est vrai que j'ai été envoyée ici par la promotion de la femme à travers l'association des femmes scientifiques. Mais je vais intervenir là en tant que chercheur, chercheur de l'INERA. Et monsieur le ministre a dit tantôt qu'effectivement, il n'y a pas que le ministère qui traite de l'environnement, il y a d'autres institutions. Il y a effectivement l'Institut de l'environnement et de recherche agricole qui a 16 programmes. Et parmi ces 16 programmes-là, il y a 4 qui s'occupe de l'environnement pur. Et c'est vrai, comme il a dit, on n'a pas suffisamment de financement pour faire ces activités. Mais à travers, par le biais de certaines conventions, soit émanant du PNUD ou bien du CONED, à travers leurs partenaires techniques et financiers, nous arrivons à travailler. Et justement, je veux rappeler un peu par rapport à la SCAD. Et vous savez que la mise en œuvre de la SCAD, du volet rural, c'est sous la forme programme national du secteur rural, qui prend en compte les 3 secteurs du développement que sont l'environnement, l'agriculture et les ressources animales. Mais il a été démontré que la recherche agricole et environnementale, étant transversale, est prise en compte dans tout ce processus du programme national du secteur rural. Et tout dernièrement, il y a une rencontre même où il est dit que l'enseignement supérieur, les centres de formation et les centres de recherche doivent être pris en compte dans le processus de mise en œuvre du programme national du secteur rural. Et en tout cas, nous fondons l'espoir que tout ce qui est recherche pourra être financé dans le cadre de ce programme national du secteur rural. Un autre aspect que je voudrais aborder, que le ministre n'a pas abordé quand il parlait de la faune et tout, un autre aspect d'économie verte, c'est l'écotourisme. J'ai dit cela parce que je suis botaniste et de la recherche forestière et nous sommes sollicités pour au moins décrire ce qui se trouve dans les formations naturelles en tant qu'espèce végétale, en tant qu'espèce d'oiseau et d'autres espèces animales. Et cela a conduit à la classification ou à la promotion de certaines formations naturelles. C'est ainsi que la forêt classée de la mare aux hippopotames a pu être classée sous un régime de gestion internationale qui est la réserve de biosphère de la mare aux hippopotames. Et cela fait par l'UNESCO MAB et cela fait que l'écotourisme est très développé dans cette zone-là.
C'est en même temps un site Ramsar. Donc, avec la communication, des gens, des touristes qui viennent chaque année des milliers pour visiter ces sites-là. Donc, je pense que ça aussi, c'est un aspect d'économie verte qu'il faut comptabiliser, c'est-à-dire l'écotourisme. Ça ne coûte rien à l'environnement et aussi ça crée des emplois à travers les éco-guides. Et ça fait que, en tout cas, si vous allez dans la zone de la mare aux hippopotames, le système de restauration est développé à cause des touristes qui viennent régulièrement et tout. C'est la même chose que le site de la mare d'Oussy qui attire plein de touristes à cause des pour venir visiter les oiseaux et observer les oiseaux. Et qu'est-ce que je voulais ajouter encore? Bon, un exemple de produit qui montre le lien entre environnement et pauvreté, c'est l'exemple pratique du chapeau de saponin. Tout le monde connaît le chapeau de saponin et ça procure énormément de revenus aux populations des villages environnants et de saponais. Une activité banale, mais qui procure des revenus. De l'emploi et des revenus. Et c'est issu d'une espèce qui est le raffia sudanica. Il se trouve que, je ne sais pas si c'est la surexploitation ou c'est les conditions climatiques qui font que cette espèce n'existe plus dans la zone. Ils sont obligés d'aller jusqu'au Ghana pour récolter la plante. Et ça fait que ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple les femmes qui passaient à côté pour récolter les rejetons, je peux dire, les rejets qui tombent pour faire leur chapeau, n'arrivent plus à faire cette activité. Si ton mari n'a pas les moyens d'aller au Ghana, donc il y a des grossistes qui vont prendre, venir revendre, etc., etc. Donc ça montre vraiment que ça a diminué les revenus de certaines personnes. C'est une interpellation pour la plantation de cette espèce. Ou bien, monsieur le ministre, vous reviendrez sur ça en conclusion. C'est ça. Quand on exploite, il faut aussi gérer pour pouvoir régénérer. Il y a la régénérescence naturelle assistée. Il y a certaines. Faut couper la branche, ne coupez pas l'arbre. C'est ça. Couper la branche, vous reviendrez demain. Vous voilà. Couper l'arbre, vous ne reviendrez plus. Jamais. Donc, c'est pour cela que certaines espèces sont en train de disparaître. Donc, peut-être qu'il vous reviendra d'apprendre aux acteurs à couper les branches. Tout à fait. Plutôt qu'à couper l'arbre. Oui, merci, madame. Nous avons élaboré un projet avec eux, les groupements de producteurs. Nous cherchons toujours le financement. D'accord. Et dans ce projet, justement, on a prévu la plantation. D'accord. Le reboisement, en tout cas, replanter le potentiel. Okay. J'allais directement donner des exemples concrets. C'est ça. Je commençais par dire la contribution de systèmes de plaques solaires à la création des richesses et à l'efficacité énergétique. Et du côté de Kaya, je disais donc l'exemple que je donnais, c'était plutôt que un centre qui est installé en site isolé, qui devait normalement être raccordé au réseau électrique Sonabel sous le coût donc de 50 millions de francs CFA, a été électrifié à bas donc de 35 millions de francs CFA simplement suite à une étude d'efficacité énergétique et à une proposition donc de plaque solaire. Donc 35 millions en lieu et place de 50 millions. De 50 millions. Et ça, c'est, je crois que ça pourrait être essentiellement les installations. Avec l'énergie solaire, le fonctionnement ne coûtera pas aussi cher que... Sans sûrement tenir compte des factures électriques qu'il fallait honorer si le système était raccordé au réseau. Okay. On comprend rapidement qu'il y a vraiment donc, des richesses qui ont été créées donc, par les plaques solaires. Des économies. Alors, à Ouagadougou, ici, beaucoup de gens ont compris cela. Ils commencent à s'intéresser aux plaques solaires. Et l'installation des plaques solaires aujourd'hui se fait avec, dans la plupart des cas, avec des systèmes relais. Parce que quelque part, on continue de penser que les plaques solaires ne suffiraient pas à produire l'énergie nécessaire avec, pour dire qu'il y a quelques doutes encore dans les esprits donc, des gens. Mais ceux-là qui l'ont compris et qui l'ont fait, ont compris qu'à la fin donc, du mois, ils n'ont plus de facture d'électricité. Je vais donner un autre cas sur les systèmes solaires à concentration. Les derniers. Allons-y. L'avant-dernier, parce que le dernier, je crois, dernier, aussi, s'il aussi vous plaît. Intéressant. Alors là, c'est du côté donc, de Dakoro. Où, à part donc des paraboles solaires, les femmes d'une association viennent faire le warantage donc de noix de karité. Et ça leur permet donc de ne plus utiliser donc le bois énergie pour pouvoir mener cette activité. D'accord. Le dernier sera maintenant le cas de Dakoro, où ici, donc, les noix d'acajou, au lieu donc de les rejeter donc, dans la nature, ces noix sont utilisées dans un système donc, de gazification pour pouvoir permettre donc, de procéder donc, au décorticage et au séchage. Donc, des noix d'acajou. On comprend que là, encore, le bois énergie et les gaz, la quantité de gaz nécessaire au traitement donc, des noix d'acajou est éliminée.
Donc, il y a au-delà de ça la création de richesses, mais aussi la protection de l'environnement dans la mesure où le bois énergie n'est plus utilisé. D'accord. Merci bien. Le royaume du trophée, c'est la quasi-totalité des concessionnaires de zones de chasse. Okay. Je suis également président de la Fédération ouest-africaine de la chasse sportive. Mm-hmm. Quelqu'un a dit tout à l'heure ici que la nature nous a tout donné. Maintenant, c'est à nous de savoir en faire. Mm-hmm. Madame la directrice du pays, PNUD, a dit que le Burkina a 110 000 hectares de forêt. C'est juste seulement, je ne vais pas venir sur notre domaine d'abord. C'est pour ça justement que nous avons des éléphants en ville, nous avons des hippos en ville et des lions en ville. C'est sujet à réflexion. Je reviendrai sur, pour développer de plus encore. Non, mais expliquez un peu ce que vous voulez dire par là. Moi, j'ai un peu compris, mais ce n'est pas certain que les autres ont compris. Alors, c'est juste pour dire, si nous continuons à prendre 110 000 hectares par an, ça veut dire que les animaux vont arriver maintenant en ville. Ils n'auront plus d'abri. Voilà, c'est leur nature, leur habitat naturel que, justement, à la recherche de terres fertiles, nos braves paysans vont justement aller à leur domaine. Et résultat, nous nous retrouvons ce fameux homme conflit. Bon, ben, je reviendrai. Ok. Voilà, juste pour attirer, parce qu'il faut que les gens comprennent déjà ce que c'est. D'accord. Cette révélation que je voulais partager, parce que c'est méconnu, et comme il y a des gens de l'INERA qui ont eu à intervenir, je profite justement, saisir l'opportunité pour dire que par le PNUD, nous avons au niveau de Belouette bénéficié d'un financement et l'INERA a fait de la recherche sur les valeurs nutritives du tourteau de Jatofa pour les champs de culture. Et cela a été positif et il a été dit que ce tourteau-là est le meilleur engrais biologique au Burkina à ce jour. Et le ministère de l'Agriculture a pris près de 2 tonnes. Ils ont fait des essais dans 26 villages, se concluant. Les mêmes villageois sont revenus, même avant la fin de la saison pluvieuse, de solliciter, mais on n'a aucun gramme pour leur donner. Faute de production suffisante. Voilà, donc c'est encore vers l'État qu'on va demander, en tout cas, ce soutien-là. Pour vers les bailleurs de fonds, en tout cas. Vers les PTF aussi, madame. Oui, naturellement, mais nous, parce qu'ils ne peuvent pas nous financer beaucoup de moyens si ce n'est par l'État. C'est ça le problème, parce que c'est 10 millions, ils ont pu faire le travail, c'est le professeur Sedogo Michel qui a fait cette étude-là, scientifiques du Burkina le connaissent très bien. Okay. Mais par l'État, on peut avoir plus de moyens. L'État. Dernier mot, avant qu'on boucle cette partie, et réagissez un peu par rapport aux plaques solaires. Est-ce que je me trompe? Est-ce que cette année, ça ne fait pas l'objet d'exonération fiscale? Oui, oui. Il est prévu qu'on puisse exonérer des charges fiscales, donc les plaques solaires. Mm-hmm. Justement, à l'occasion de la discussion sur le budget, son Excellence le Larvé est revenu là-dessus. Pourquoi faire des exos sur les plaques solaires et pourquoi pas sur les taxes diverses qui pèsent sur, par exemple, le Jatrofa, etc. etc. Mm-hmm. Je pense que c'est une question à débattre et puis je suis sûr que sous cette impulsion et son lobbying, et l'année prochaine, il sera peut-être question de faire des exos pour pouvoir permettre à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui veulent s'investir dans les énergies renouvelables, et de pouvoir le faire. Donc je voudrais préciser à la suite de ma...